Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Et je tenais à vous souhaiter bon début de mois. Vraiment, merci. Merci pour votre assistance, votre abonnement et votre suivi. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de spécifique parce que c'est un jour spécial aujourd'hui. C'est le premier jeudi du mois. Ah oui, le premier jeudi du mois. Le premier jeudi du mois, j'espère que vous avez déjà fait votre don parce que pour ne pas avoir des problèmes financiers, pour ne pas avoir des blocages dans vos business, pour ne pas avoir des problèmes à la maison d'ordre financier, faites des dons. Comme vous le voyez dans cette vidéo, il y a certains qui ont compris qu'on ne blague pas avec les signes de la nature, qu'on ne blague pas avec la spiritualité. Hier, c'était le premier jour du mois. C'est un jour excellent pour les dons. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi. Il y a beaucoup d'ouverture aujourd'hui pour ceux qui font un don. Et quand vous faites un don, faites-le au nom de quelque chose. C'est pour ça que c'est très important de prier sur votre don, de méditer sur votre don avant de le faire. Comme vous pouvez le voir, ça c'est un don aux orphelins, aux dons aux nécessiteux. Peu importe à qui vous faites le don, faites un don. Faites un don, c'est très important. Et pour encore aller plus loin et pour enrichir, pour aider autant pour moi, certaines personnes sur la chaîne, j'aimerais vous dire ceci. Faites un don le lundi. Le lundi, c'est pour l'harmonie. Le lundi et le dimanche, c'est pour l'harmonie de la famille. Au nom de l'harmonie de la famille. Le mardi, c'est pour vos travaux, au nom de vos travaux spirituels, prières et tout, pour que ce soit exaucé. Le mercredi, c'est pour le travail, au nom du travail. Donc, vous faites un don au nom du travail, vous priez dessus, au nom du travail. Le jeudi, c'est pour les ouvertures financières, c'est pour les opportunités d'affaires. Le jeudi. Le vendredi, c'est au nom de l'amour, au nom de la sérénité, au nom de l'amitié qui peut exister entre deux personnes, deux individus, deux sexes opposés. Le samedi maintenant, c'est intensément au nom de vos travaux spirituels, que sont prières, méditations, astuces réalisées ou personnes que vous voulez voir guérir d'une maladie que les docteurs de la médecine moderne n'ont pas pu détecter. C'est très important. Faites un don. N'oubliez jamais. C'est pour ça que vous allez voir ces grands messieurs ont toujours des jours précis pour faire des dons aux nécessiteux. C'est pour fructifier toujours les affaires. Alors, il y a un mystère caché là à l'intérieur. Faites des dons. Peu importe. Faites des dons. Priez dessus. Méditez. Et vous allez voir comme par enchantement, vous aurez des ouvertures, vous aurez des situations résolues. Ciao, à bientôt.